Merveilleux jeu. Bon. C'est pas très très bien passé tout à l'heure. Donc je me suis dit. Est-ce que ça va marcher? Il faut que je débranche le micro 2 secondes. Non, ça devrait marcher en fait. On va voir. On va faire déjà New Game. On va se mettre dessus. Faire amateur. Non, parce que j'avoue que là, franchement, c'est un petit peu trop chaud. Juste aller voir sur Mixer pour voir si ça passe bien. 2005-2016. Oui, passé. Voilà, il y a le micro. Tout. Alors, est-ce que ça marche bien? Alors, est-ce que ça marche bien? Salut Maître Otaku et merci. Un petit peu trop tard, j'imagine. J'avais pas fait gaffe tout à l'heure. Je suis désolé. C'est assez. C'est assez bizarre parce que les. Enfin, c'est tant mieux, mais les messages restent apparemment, même quand on change de live. Ils disent que c'est super nul. Je n'ai rien vu. Je sais pas. Apparemment. 1998. Bon. I'll never forget it. Apparemment, on aurait changé de mode de difficulté. Alors attendez, je vais juste changer la barre. Ma barre à moi là. Je vais la mettre en haut à droite, la barre de diffusion. Voilà. C'est bon, ça y est, ça marche. On est parti. On est parti. Bon, on va faire ça vite fait. On va essayer de passer tous les moments qu'on a déjà fait assez vite. Maintenant, on est un pro. Ah! J'aime ça. Vous me faites plus peur, les mecs. Maintenant qu'on peut dire qu'on est quasiment en mode invincible. Covid acheté. On se retourne. Merveilleux. On va tuer tous les mecs en un coup. J'aime beaucoup ce mode. Ah non, ça c'est un mode pour moi ça. De temps en temps. Je crois qu'il n'y a plus de jeu en fait. Je crois qu'il n'y a plus de jeu mais c'est pas grave. J'ai quand même envie de faire une fois Resident Evil 4 dans ma vie. Donc bon, si ça doit passer par un truc comme ça, bah tant pis.
On fera ça sur le... La case 19. Je pense pas qu'on va avoir besoin de plusieurs sauvegardes pour le coup. Parce que faut dire que... C'est assez... facile comme ça, je pense. Par contre, j'ai pas intérêt à mourir là parce que sinon ça va être la honte, mais la plus totale. Bon, alors là, il y a les bombes. Un forastero! Ah. Ça fait plaisir, ça fait du bien quand même de pouvoir les tuer en un coup. C'est jouissif. Qu'est-ce qui se passe? On doit retenir la vengeance. Ah, c'est vrai. Ils étaient là. Et du coup, je me demande s'ils vont refaire Resident Evil 4, parce que bon... ils ont refait le 2, le 3. J'ai toujours pas touché. Puis il y a beaucoup d'herbe. Et je me demande s'ils vont refaire le 4 parce que le jeu est quand même un petit peu lourd, quoi. C'est très, ça fait très vieux jeu maintenant. Et on va être riche en plus. On va avoir plein d'armes. Ah, on peut pas les tuer eux, d'accord. On n'a pas un là. Et si. On l'avait eu comme ça, je crois. Hop. Il a rien droppé. Putain, mais le nombre d'herbes. On va devenir herboriste. Lumière assez. Je vais quand même en garder. Quoi? Putain, on a le shotgun déjà! Oui, mais bon. Ça sert pas à grand chose vu qu'on tue déjà les ennemis en un coup. C'est vrai que c'est sympa, mais. Leon. Ah, le playing manual. Playing manual. Mielda. Oh! Oh! On va tuer le mec à la tronçonneuse. À mon avis, ça devrait passer. Bim! Il est là. Tan 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 tan. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on l'a eu. On a eu un rubis en plus. Bon, on va arrêter de déconner, on va reprendre le flingue quand même. Ah, il recharge en 2 secondes. Je crois qu'on doit avoir les armes au maximum. Au niveau des améliorations. Putain, c'est la fête ici. Ah, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Kick. Putain, il y a une visée automatique ou quoi? Mais...
peux mourir. Bon, on en a tué pas mal. Ça sert à rien vu qu'on gagne pas d'XP, mais... C'est une petite vengeance. Voilà. Ok, donc ça, ça souffre pas. Je pense que comme ça, au moins, si je le fais dans ce mode-là, après... Bah, si je le fais une autre fois en mode normal ou dans des trucs comme ça, je saurai au moins ce qu'il faut faire. Parce que là, j'avoue que faire ce jeu-là 15 ans, je sais plus, après tout le monde, c'est quand même assez chaud quand on connaît pas du tout les mécaniques du jeu. Et encore moins les mécaniques de la série. On peut combiner ça. Ah putain, on peut combiner. Ah d'accord. On peut continuer. Ouais. Vu qu'il y a une partie blanche. D'accord, d'accord. Faut trouver. Je crois qu'il y avait une herbe rouge, pas très loin. Bon, par contre, je sais plus du tout ce qu'il y avait. Il y a des cartouches. Putain, les cartouches du fusil à pompe. Je crois que c'est là où il y avait le fusil à pompe. Donc du coup, il n'est pas là. Évidemment. Ah, la voilà. La voilà. C'était ça. C'était ça, ouais. On peut même peut-être combiner ça avec autre chose encore. Non, non, non. C'est plus combinable. D'accord. Je regarde de temps en temps le chat quand même, parce qu'on sait jamais. S'il y a des personnes qui arrivent, que je vois pas les messages. Ça le fait pas quand même. C'est pas que... voilà, parce que je ne le fais pas exprès. Le but, c'est surtout de... Voilà, de pouvoir live et après de pouvoir poster les vidéos sur YouTube. Et les garder... en souvenir. Quoi ? On était venu là. Ah, j'ai dû me tromper de fenêtre. Ça. On s'est trompé de fenêtre. Je crois que là, on doit avoir tout fait à mon avis. Peut-être qu'en tuant les poules, on va voir quelque chose. Non, donc là, c'est toujours fermé, ça, ça change pas. Ah, ça par contre. Et une autre grenade. Putain, on va voir des grenades à foison. Ça a l'air d'être chiant à utiliser les grenades, donc bon, c'est pas... C'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir énormément dans... On va la laisser tranquille.
Ouais, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir dans mon inventaire parce que ça va me remplir mon inventaire à fond. Ah putain, on n'était pas revenu ici encore. Putain, encore une herbe rouge. Ah merde. On peut le... Non, ici. On peut le faire au couteau. Ouais. Du sang. Bon, Philo, putain, j'avais même pas fait gaffe, quoi. J'ai même pas fait gaffe, il y a un truc par terre. Bon allez, on va continuer. On va avancer un petit peu. C'est pas du tout par ici qu'il faut aller. Ok, d'accord, je suis paumé. Putain, mais il y a une autre herbe rouge. Je sais pas ce que ça fait deux herbes rouges ensemble. Ah ben on peut pas. Voilà. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut pas, mais on peut faire ça avec une autre herbe verte, ok. D'accord. Ça, on peut le... Non. C'est un petit peu logique en même temps. Si on pouvait combiner les grenades, ça serait un petit peu what the fuck. Putain, mais c'est pas là? Mais merde, mais... Qu'est-ce que je fais? Attendez, attendez. Le niveau a changé ou quoi depuis tout à l'heure? Ah non, c'est là. C'est là? C'est là, c'est là, c'est là. Putain, j'ai eu peur. Il y avait que d'ici. Et là? Ah! Tiens, il y a un truc au mur. On l'avait pas vu ça, dis donc. Mais si, si, on l'avait eu. Ah non. Le chef du village, Beatless Mendes. Beatless? Le mec qui n'a pas de bite. Alors, de quelle bite il parle, je ne sais pas trop, hein. Mon avis, c'est les bits binaires, évidemment. Les fameuses bits binaires que tout le monde connaît. Ah, le médaillon. Un forastero! Oh, genre, genre. C'est bizarre. Des fois, je le tue en un coup, des fois pas. Ah, une felastello! Ouais. Eux, ils sont plus résistants, j'ai l'impression. Ce qui est pas très logique, mais bon. Ce que je veux dire, c'est les mêmes mecs à la base. Ah. Je crois qu'il est pas mort. Une felastello! Il est mort? Il est mort. Philo. Oui, donc voilà. Mais. Non, c'est pas ça du tout. Parce qu'il me dit, il y en a 15 en tout. Il y a 15 pièces bleues, des coins en tout. Il y en a 7 dans les champs. Et 8 dans le cimetière, là où il y a les pierres tombales. Et si on en a plus de 10, on va recevoir quelque chose. Dire, il y en a 15 en tout, mais 15 en tout où? Là où on est? Ou c'est dans tout le jeu? Parce que bon, j'imagine quand même que. Enfin voilà, il doit y avoir beaucoup plus dans tout le jeu. Mais je vois pas 15 coins ici, quoi. C'est ça qui est bizarre, que j'arrive pas à comprendre. On va sauvegarder.
Ça aussi. Ça aussi, je sais pas ce que c'est. C'est bizarre parce que la couleur du bout de bois est différente du décor en général. What? Il y a des éléments du décor qu'on peut péter comme ça. Sans indication, quoi. On peut ouvrir. Ça fait quoi d'ouvrir? On peut aller dedans? C'est pas. C'était pour récupérer le truc seulement. Je sais pas du tout. Peut-être possible, ouais. C'était pour récupérer le pendentif, peut-être. Pendentif en perles. On va avoir du fric. Hein. Enfin, tout ce qu'on ramasse. Donc le rubis aussi de Monsieur Massacre à la tronçonneuse. Je crois qu'il y avait un autre mec. Ah non! C'est ça, il y a un autre mec qui avait apparu, mais je sais pas où il était. Ah ben, la même. D'où tu sors, toi? Peut-être qu'il vient d'en haut. Avec ça. Putain, j'avais loupé lui aussi. Mais le mec il est trop aveugle quoi. Pourtant c'était en face de nous. Putain, faut regarder partout. T'as abusé. Ah mais du coup il y en a peut-être 15 ici en fait. On en a déjà eu 3. Même si c'est pas trop un champ. Il y a un cimetière j'ai envie de dire. Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres? Parce que ça peut être en dehors du décor. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Oh. Ah. Non mais ça doit être ça, peut-être que c'est que dans cette zone qu'il y en a 15 vu que c'est marqué 4 sur 15. Ça doit être ça. Oh, ça sent le... Oh! D'accord. Il faut vraiment repérer des endroits louches. Des endroits louches. Genre là-dedans. Non. Faudrait que ça clignote en vert fluo. Bon, ok.
serait peut-être un petit peu trop facile, je l'avoue. Oh putain, j'ai oublié ce buffet. J'aurais pu passer à côté d'une spinelle quand même. C'est déplorable. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça va? J'ai pris une balle dans le nez. Putain. Peut-être que même en mode amateur, on va mourir. Ça, c'est là où il y avait la pièce, apparemment. Putain, mais comment on a fait pour louper ça tout à l'heure, quoi? Comment on a fait pour louper ça tout à l'heure, franchement? Et je vais baisser un petit peu mon son. Au niveau du casque. Voilà, ça devrait être bon, là. Ah, c'est vrai qu'on n'était pas venu ici. On n'était pas venu ici aussi, ouais. Mais ça, la lanterne, par contre, j'ai aucune idée de à quoi ça sert. Ah mais on peut pas passer par là en fait. D'accord, on est obligé de passer par en haut aussi. C'est un petit peu chiant, hein. Par contre les autres médailles, aucune idée. Hein. Oh, aucune idée. Non mais... il y a des chances pour qu'elles soient toutes là. Ou alors ça... Ou alors ça, c'est peut-être la ferme. C'est peut-être la ferme. Parce que bon, il n'y a pas de pierre tombale. Et si c'est la ferme, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ferme, il y en a 7. Il nous en manquerait une. Il nous en manquerait une. Putain, mais le con. Il nous en manquerait une. Ça m'étonnerait qu'il y en ait une autre par là, on en a eu deux déjà là. Peut-être dans la... Bah, dans la maison. Ah voilà. Peut-être là. Non. Bon, on va pas faire non plus toutes les médailles, parce que sinon... On en a pour un moment, et en plus de ça, de toute façon, on pourrait regarder sur le net, mais bon. Je préfère faire le jeu dans un mode plus facile, sans regarder la soluce au final. Bon, à part c'est des énigmes trop complexes, mais au moins, voilà, finir le jeu par moi-même une fois... Et après, si jamais je le refais un jour, peut-être utiliser une soluce et finir à 100%, quoi. Ah, peut-être qu'il y en a une à l'entrée. Non? Parce qu'à l'entrée, il n'y en avait pas. Est-ce qu'une poule peut avoir un médaillon accroché à elle?
Ou une vache. Ça serait vache pour le coup. Mais je dis qu'on ne cherche plus les médaillons et je continue à chercher. Non, mais à mon avis, ouais, il doit en avoir un. Il doit en rester un. Bon. Peut-être qu'on est passé à côté, hein, ou que je l'ai pas vu, c'est possible. Ah, je crois que c'est là où il y avait le caillou. Ça, j'avoue quand même, je suis fier de pas m'être fait avoir par ce caillou. D'avoir eu l'inspiration au bon moment. C'est un des seuls trucs quand même qu'on a réussi dans notre partie normale. Attendez. Je remets mon casque. Donc là, on avait nos spinels qu'on peut faire tomber à fond. Tuer Batman ne sert à rien. Ah, c'était là où il y avait les cocktails Molotover. Est-ce qu'on peut le tuer quand on est comme ça là? C'est bon, ça ferait déjà un cocktail Molotover en moins. Un cocktail Molotover en moins. Parce que eux, même si on est en amateur, à mon avis, doivent faire des dégâts. Donc, on va pouvoir découvrir si on a loupé des trucs ici. Ou pas. Il y a quelqu'un qui est mort. On va y arriver. Est-ce qu'on a eu l'autre? Non, on l'a pas eu. Oh putain! On a détruit le cocktail Molotov en plein vol. Ah, ça va? Moi, ça va bien. L'autre, il est parti. Parti où? Il va y avoir une sortie quelque part. Il y avait un piège aussi à l'eau, il me semble. Saloperie. Saloperie de piège à l'eau. Spider-Man. Ah, Spider-Man aussi. On ne gagne rien. Il y a un truc dans l'arbre. C'est quoi ça? C'est un nid? Oh! Parfois, quand on tire sur des trucs, ouais, on peut avoir des bonus. C'est sympa. C'est vrai qu'on s'y attend pas trop. Il y avait pas un autre mec ici? Ça va, Lia? Ben, c'est vrai que je suis un amateur. Disons.
disons rien. Des Gakali Monai. Il n'y a aucun indice concernant Ashley. Je crois qu'on va... on va retourner... Bah là où on a débloqué le mec. L'espagnol qui faisait partie de la police. Je sais plus s'il y avait quelqu'un ici. Des ennemis. Je crois pas. Je crois pas. Il y avait une machine à écrire, il me semble. Ouais, voilà. Une machine à écrire. On a combien de balles? 124. 144. Ouf. Merveilleux. Avoir. En fait, j'avais complètement oublié ça. Oh. On peut pas. Ok, on peut pas. On peut pas. On va retrouver notre ami. Comment il s'appelait déjà? Ah, little rough, don't you think? Comment tu t'appelais? Not like them? No. You? Okay. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Bah ça doit être lui en fait, Beatless Mendes. Merveilleux. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de difficulté, hein, pour le coup, là. Let us give you our power. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. C'est vrai qu'on s'est fait avoir par cette substance. Hey, wake up. Aïe, je bouca. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, si? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What are you supposed to be, a cop or something? Nah. Et donc, you don't toi? Look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Ben je sais plus, il avait pas dit son nom. Me llamo Luis Serra. I used to be a ah voilà, Luis Serra. But now I'm just a good for nothing guy. Luis Serra. Who happens to be quite a ladies man. Why'd you quit?
Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates it. Allez, on va couper. Oh putain, j'avais oublié. J'avais oublié. Il a failli se faire avoir par le QTE, quoi. Ah, le marchand. 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 Tiens, comme ça on va pouvoir voir si on était obligé de se faire voir ici ou pas. Ça, ça va être intéressant, ça. Mais bon, j'avoue que tout à l'heure, c'était un petit peu la débandade. Ils sont arrivés à 170 000 sur nous. Le marchand. Ouais, mais pour le coup... Attends. Ah oui. On n'avait pas vendu tout à l'heure, en fait. On peut mettre trois trucs dedans. Bon, on va vendre des spinels. On va en vendre 5. Parce que j'avoue que j'ai un petit peu peur. Je sais pas si les autres trucs c'est pour vendre ou pas. Attendez. On peut pas combiner le... Ça. Ça par exemple. Et ça. Ok, d'accord. On peut mettre des sorts de rubis. Donc peut-être qu'il vaut mieux attendre pour vendre ça. Ouais. Après, il faut trouver les autres billes aussi. Ça, c'est... ça va pas être facile, à mon avis. Donc, les autres, je pense qu'on doit pouvoir les vendre. Ça, on doit pouvoir le vendre. Ouais. Ça aussi. Ah. Et donc ça nous fait plein de trucs qu'on peut acheter. Bon, par contre on va quand même acheter la mallette. Bon, ça je sais pas vraiment si c'est utile parce que... Ouais. Le rifle. Celui qu'on a. Non, non, c'est... non, bah non. On n'a pas le rifle. Ce qui vaut mieux, lance-roquette, le rifle, le scope, le machine pistol. What are you buying? Ah non, c'est pas au max. C'est pas au max. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'augmenter les armes? Je veux dire, on est tellement puissant. Hein ? Attendez. Comment on fait pour le changer de place ? Parce que je peux pas le mettre. Faut que je le place en longueur, non ? Tourne. Ah voilà. Quand on n'est pas doué, hein, je suis désolé. Mais... on a 9 tout seul. Thank you. Et le scope, est-ce qu'on peut...
Putain, ça va prendre de la place, c'est une blague. Attendez. Faut le placer pile au niveau du machin là. What are you buying? Il load, à mon avis, ça va prendre beaucoup de temps. Donc. Thank you. Is that all, stranger? Thank you. Come back anytime. Ouais. Je sais pas du tout ce qui est bien. Alors ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Peut-être qu'on va combiner des trucs parce que. Voilà. Et ça, on peut le combiner avec quoi du coup? Avec du jaune, peut-être. Combien c'est? Hop. Putain, je veux trop me de touches à chaque fois. D'accord. Non. J'ai pas l'impression qu'on soit obligé de le placer quelque part sur l'arme. Ça a l'air d'aller. On verra bien. Ouais, on verra bien. Ça aussi, on va le combiner. Et ça, du coup, je peux le déplacer ou pas? Ah, je peux le déplacer. Et c'est toujours équipé. Ok, ok, ok. On va s'équiper d'ailleurs du fusil pour voir. Ça, c'est des cartouches de fusil. Hein? Oh putain la vache, d'accord. Ouh là 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 là. On zoome avec le stick gauche et on bouge la caméra avec le stick droit, quoi. Ouais, d'accord, c'est un petit peu chaud du cul quand même. Alors, est-ce qu'on peut les tuer d'ici? Tu prennes du diaspam, Léon. Tu bouges beaucoup. Tu bouges beaucoup. Ah, on peut peut-être les tuer d'ici. C'était peut-être ça qu'il fallait faire, en fait. D'accord. Mais Léon, tu tangues. Parce que pourquoi ça en fait? Je sais pas si mon vie là. Il y a la musique, mais il y a personne qui se. On peut détruire les portes? What? Ah, ils m'ont pas vu, hein. J'ai pas l'impression. Mais... J'ai pas l'impression qu'ils m'ont vu. Alors peut-être qu'ils m'ont vu, mais qu'ils peuvent pas venir. Parce que la porte est bloquée. Est-ce qu'il y en a d'autres là? Il m'a fait peur. Aliesta. Moi, c'est bien. C'est pas moi, Aliesta. Ah là, il rapide plus. Ouais. Oh non.
Non! Genre, tout à l'heure, ils étaient pas 106 000 avec des cocktails Molotov. Bizarre ça. Ou alors, peut-être qu'ils avaient fait pareil. Il y en a un qui a dû faire exploser tous les autres, peut-être. Ça, c'est possible. Bim, dans la tête. Ah, du coup, j'ai pas fait gaffe pour la veste de Léon. Attention. Mais je pense qu'on devait avoir une veste tout à l'heure. On est quasiment sûr. Essayer quand même de les d'éviter de tous les tuer parce que j'ai toujours l'impression qu'ils pop à l'infini. Par contre, je sais plus du tout où était l'autre fragment. Voilà. Il devait être par là, je pense. Putain, mais ça, c'est énorme, par contre. Il peut péter les portes. Putain, je m'y attendais pas du tout. Ah non, c'était en haut. Oui, c'est là où il y a le coffre, c'est en haut. C'est en haut. Par où? Par là. Par là. Ça va? Quand même mieux en facile qu'en amateur. Non, mais c'est abusé, franchement. Regardez, quoi, le nombre d'ennemis. Il en pop de partout. Il en pop de partout. Oh, j'ai pas tardé à être fou, moi. Putain, mais il y en a encore. C'est abusé. Non, mais... Non, mais c'est ça, ouais. C'est ça. Il faut foncer. Donc là, faut le combiner. Voilà, c'est bon. Et donc, on était arrivé ici. Ah, il y a un autre truc ici, je savais pas du tout. Tu t'étais caché, petit.
Là, on va se la jouer Rambo. On va augmenter notre vie, tiens, pour voir. Ok. Notre vie a tellement augmenté que je suis ébloui. Parce que j'avais pas vraiment vu tout à l'heure. J'avais augmenté notre vie, mais ouais, ça s'augmente que dalle, en fait. Ça sert à rien. Hein. Je crois qu'on peut dire ça. Ne me remercie pas. Ne me remercie pas. Ne me remercie pas. C'était dans la prochaine salle où il y avait les cocktails Molotov. Ah putain, mais on peut passer par là ? Ah mais c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Il sert à rien. T'en fous en fait. C'est dans la prochaine salle où ça va être chaud. Parce qu'en plus il y avait des pièges de partout. Ça du coup c'est un truc à pépé. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. C'est dans la prochaine salle ou pas ? Ouais, ça doit être une salle. Oh, merveilleux ! Le fusil à pompe nous a sauvé la tête. On peut se cacher. J'avais pas fait gaffe. Effectivement, quand on commence à comprendre comment le jeu marche, le mode normal devient un petit peu plus faisable, je pense. J'avoue. Mais bon, tant pis, hein. Tant pis. Ok. Voilà, je suis pas habitué au jeu, donc malheureusement. Quoi ça, c'est un autre truc. Putain, ils sont tous morts. Merci mes oreilles. Putain, mais il y a encore des pièges. On utilise le fusil à pompe pour faire ça, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais on a tellement de balles, j'ai envie de dire, on s'en fout. Comment on fait pour aller là? Ah bah voilà. J'ai eu ma réponse. Ok. Je viens de choper un casque. Enfin, un masque plutôt. Bon bah on a dépassé le point où on était tout à l'heure. On a un petit peu moins de temps, ce qui est normal. Surtout qu'on a coupé les cutscenes. Il était tout seul. Bon, on est où là? On est dans les égouts. On peut aller en bas, on peut aller en haut. On va d'abord aller voir en bas. Des poissons.
On peut choper des poissons. Je sais pas quoi. Peut-être qu'on va pouvoir faire manger avec les œufs. Le gros là. Ah putain, mais ils vont dans mon inventaire. Attendez. Ah, on peut pas l'utiliser. On peut s'équiper de l'œuf. What? Waouh. C'est énorme. Et les poissons, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Skau. On peut l'utiliser. Ça nous redonne de la vie. Bon, on va les jeter. Hein. On va juste prendre le gros pour voir. Il est tellement gros qu'on peut pas le prendre. Ouais, j'imagine que c'est la même chose. Hein. J'imagine que c'est la même chose. Au niveau des munitions, ça on va le jeter parce que bon, on a tellement de munitions maintenant que. Ça, je sais pas si on le garde. Ça, on peut le mettre là maintenant. Ça, on peut le mettre là. Ça, on va le mettre là. Ça prend de la place quand même, hein, cette merde. Comment on fait déjà? Ah voilà. Peut-être qu'on peut le prendre. Oh, on l'a pris. Oh là là. Quel maître. Et donc du coup, c'est la même chose. Ça redonne toute notre vie. Ouais. On est fou. Ça redonne toute notre vie, mais putain, la taille du machin, quoi. Non, je vais prendre l'échelle. Oh. On peut pas prendre l'échelle. Ah si, on peut. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on allait être bloqué dans cet aquarium. Bon bah du coup on va aller en haut. Putain, il est déjà 7h30. Je vais pas tarder à sortir parce qu'il va falloir que je mange. Parce que j'ai rien préparé donc manger dehors c'est plus rapide. Et il drop des trucs aussi. Il drop des munitions, les corbeaux quoi. Si on a besoin de munitions, tu auras les corbeaux. Enfin, lui, il a droppé de l'argent. Ouais. C'est assez étrange. Ah, une plante rouge. Est-ce qu'on peut... Attends, la combiner... Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut combiner ça et ça? Non. Ok, de l'argent. Ça, c'est là d'où on vient. Ouais, je crois qu'on va arrêter. Ah, ça doit être le même truc, ça, du coup. Ah. Oh oh. On va s'arrêter lorsqu'il y aura un point de sauvegarde. Ça devrait pas être très très loin. C'est pas très très loin. Bon, on va faire gaffe.
Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Oh non, une énigme. Attendez. Putain, y a que ça en plus. On peut le faire bouger. On peut le faire bouger. Donc soit en haut, en bas, à gauche, droite. En haut. Ah d'accord, faut que ça représente le même truc. C'est ça? C'est le symbole qu'on voit partout. Hein. Putain la chance. Putain la chance. En deux coups, con. La chance du débutant. Truc de fou. Prendre les munitions. On prend pas les munitions. Ah si, si. Juste ça, voilà. Il y a les mémos du chef du village. Bonjour, que ça m'intéresse pas trop. On est là pour le jeu surtout. Pour le gameplay où on tue tout le monde d'un coup. On n'est pas encore mort. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood? Ah bah d'accord, ça se finit comme ça en fait. Bon bah, parfait. Comme ça on reprendra à partir du chapitre 1-3. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? Les Illuminati! That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he yes, I'm me, okay. But he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Bon, find the church, ok, mais voilà, on fera ça donc la prochaine fois. Merde, je pensais qu'on revenait en arrière, en fait on avançait. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, voilà, je vais couper et on reprendra au niveau de la sauvegarde. Donc on reverra cette séquence la prochaine fois. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Resident Evil. Ou plutôt en japonais, Biohazard 4.